Il existe au moins 99% pour rendre votre femme heureuse sans faire trop d'efforts. Qu'est-ce que ça veut dire rendre votre femme heureuse? C'est vraiment cette idée de garder ou raviver la flamme. On en parle souvent. La responsabilité de l'homme, c'est de le faire. Et la responsabilité de la femme, c'est de lui dire qu'est-ce qu'il peut faire. Et vraiment demander jusqu'à ce qu'il comprenne quel bénéfice il a de le faire. Parce qu'il s'agit vraiment d'un quotidien plus épanoui, d'une sexualité, d'une entente, que ça soit intellectuelle, émotionnelle et voire même spirituelle, grâce à tous ces petits actes en fait de quotidien. Qui peuvent vraiment amener votre couple à un autre niveau. Pour ça, j'aimerais donner une statistique qui m'a beaucoup surprise. 7% de tous les couples qui ont vécu plus de 10 ans ensemble font l'amour juste une seule fois par mois. 20% de ces couples le font une fois par semaine. Et les autres ne le font pas du tout. Et la statistique affirme que 50% d'époux, d'épouses vont voir ailleurs. Pourquoi ils le font? Pour garder leur couple. Donc c'est un peu étrange, c'est paradoxal qu'ils vont voir ailleurs alors que le risque est énorme de perdre le couple à cause de ça, mais ils le font dans la conscience de satisfaire leur besoin d'être touché, de faire l'amour, donc et du coup garder le couple de cette manière-là parce qu'elles ne trouvent pas ça dans leur foyer, dans le couple avec leur partenaire. Donc voici la responsabilité des deux. Si vous avez décidé d'être en couple, c'est de s'épanouir au maximum et donner à l'autre les clés de vos besoins. La femme a besoin qu'on prenne soin d'elle et qu'on lui donne énormément de signes d'amour pour garder cette flamme, pour garder l'attirance pour l'homme. Et en plus, ça doit être créatif parce qu'elle s'ennuie. Si vous faites toujours la même chose ou que vous pratiquez trois choses, le bouquet de fleurs, la sortie au restaurant et au cinéma, elle va très vite se lasser. C'est pour ça qu'il est important d'être vraiment dans la créativité, nouveauté, pour lui donner tout le temps de la nourriture émotionnelle. Donc les exemples, en arrivant à la maison, faites-lui un câlin d'une durée au moins de 10 secondes. Et c'est ça qui va vous mettre en lien, en contact physique, mais aussi intellectuel, cette proximité-là. Si vous êtes en week-end ensemble, de donner ce câlin 3-4 fois par jour. Si elle ne veut pas, si elle vous repousse, il dit mais qu'est-ce que tu me veux, ça veut dire c'est un signal vraiment très fort que dans votre couple, quelque chose ne va pas. Donc cherchez à demander ce qui se passe et comment vous pouvez faire ce câlin, cette approche physique pour que ça lui plaise. Questionnez-vous sur votre haleine, le parfum, comment vous êtes habillé. La femme est très très sensible à ça et souvent l'homme qui va aller travailler et faire des efforts vestimentaires va vouloir se détendre à la maison et porter des choses beaucoup plus simples. Ce n'est pas une bonne stratégie. Donc questionnez-la vraiment. Posez aussi des questions quand vous rentrez à la maison, très précises et concrètes en fonction de ses intérêts à elle. Faites-la parler. Comme on a dit déjà dans plusieurs vidéos précédentes, elle a besoin de dire 21 000 mots par jour. Donc, cherchez à la faire parler, écoutez-la inconditionnellement, sans regarder la montre, sans vous interrompre, en la regardant dans les yeux et en ayant votre corps un petit peu penché vers l'avant. C'est comme ça que vous avez fait lorsque vous étiez amoureux et pas être dans une posture de recul ou bien replié sur vous. Elle va le sentir. C'est vraiment très très différent comme intention. Certes, c'est à peine perceptible pour vous, mais pour elle, ça fait toute la différence. Elle, sans faille, va sentir si vous êtes vraiment intéressé.
Donc, du coup, faites aussi des gestes vraiment physiologiques, ne restez pas raide. Et c'est ça qui va vous montrer, c'est ça qui va lui montrer que vous êtes vraiment avec elle. Ne cherchez jamais à donner la solution. Demandez si elle veut être juste écoutée ou si elle a besoin de solution. Mais la plupart du temps, en 90 voire plus de cas, elle a besoin juste de libérer la parole, les émotions et juste voilà, de vous partager ça sans rien attendre au retour. Offrez-lui des fleurs au moins 2 fois par mois ou même 1 fois par semaine ou dès que le bouquet va faner. C'est toujours un signe d'amour très romantique, on va dire. Et sachez quelle fleur elle aime. Donc renseignez-vous vraiment, regardez sa réaction à ce que vous amenez pour vraiment varier et improviser que rarement. Parce qu'elle a vraiment besoin d'être aimée comme elle a besoin d'être aimée. C'est pas toujours facile à comprendre. Libérez le temps pour qu'elle puisse vraiment être délaissée de la routine quotidienne comme la cuisine, le ménage. Prenez soin de sa voiture. Idéalement, c'est évidemment d'avoir une aide ménagère. Et l'effet que ça va apporter est beaucoup plus important que les dépenses que ça va générer. C'est pas si cher que ça. Faites l'expérience. Planifiez toujours les week-ends en avance parce que la femme a besoin d'être rassurée et elle a besoin d'avoir comme une vision. Et ça va aussi lui prouver que vous pensez à vous, au couple et à elle évidemment aussi. Partez lui en week-end le plus souvent possible parce que pour elle, la maison, c'est un petit peu le rappel de tout ce qu'il y a à faire, de toutes les tâches, des corvées qu'elle fait au quotidien. Et évidemment, pour vous qui êtes parfois même peut-être absent le week-end, la maison, c'est un endroit de se reposer, mais pas pour elle. Donc, investissez sur elle pour la nouveauté, amenez-la quelque part. Faites-lui tout le temps des compliments. Tu es belle, tu es intelligente, tu es splendide, tu es douce. La femme n'a pas réellement un estime propre qui est durable ou stable. Elle a besoin vraiment d'être nourrie par son entourage et donc du coup surtout être protégée aussi d'un entourage éventuellement toxique. C'est à vous de lui faire savoir et de la protéger. Donnez-lui toujours l'autorisation inconditionnelle d'être triste, en colère, perdue, dans le doute. Ne la jugez pas pour ses émotions, ne dites pas qu'elle est pas stable ou qu'elle est jamais contente. Prenez tout ça inconditionnellement juste comme tel, comme une plante qui fleurit et une plante ne fleurit pas. Même si elle est triste souvent, au moment où vous allez vraiment pleinement accepter tout ça, elle va pouvoir s'en débarrasser. Alors que les hommes, la plupart du temps, sont touchés par cette tristesse parce qu'ils se croient responsables, alors que ça n'a rien à voir. Et donc, si vous lui dites ça, t'es jamais contente, elle va culpabiliser et le cercle infernal va se fermer. Alors que si vous lui dites que vous l'aimez triste aussi, que vous aimez ses larmes, que vous l'aimez vraiment inconditionnellement, elle va tellement se détendre que du coup elle va plus craindre ces états-là et cette non-crainte va libérer très facilement ces états. Et comme je disais, dans cette écoute inconditionnelle de tout ce qu'elle a à dire, elle cumule beaucoup de choses, elle prend à cœur beaucoup de choses, donc vous l'aidez à libérer tout ça. Soyez aussi force proposition pour tout ce qui est cinéma, restaurant, balade. Ne soyez pas paresseux lorsque vous rentrez à la maison, même si votre journée était difficile. Accordez-lui du temps et ça va vous être rendu dans cette proximité intellectuelle, émotionnelle et du coup sexuelle aussi. Allez à nouveau retrouver cette flamme et cette, comme je disais, proximité en montrant à votre femme combien vous êtes prêt à investir, à l'écouter. Respectez et accueillez ses demandes de placer un tableau, de
déplacer un meuble, si vous ne pouvez pas le faire tout de suite, notez ça dans votre agenda et dites-lui à quel moment vous pouvez le faire. Ça va vraiment la rassurer. Et donnez-lui souvent les mots comme je te comprends, tu as raison, même si elle a parfois pas du tout raison ou que vous le comprenez pas. Lorsque vous avez besoin d'être seul, dites-lui ça, parce que la femme, quand elle a un problème, elle a besoin d'en parler. L'homme a besoin de rentrer dans sa grotte. Donc affirmez ça, comme ça elle va être rassurée. Mais ne lui parlez pas de vos problèmes parce que ça va la faire déprimer, ça va trop la charger, elle va vraiment se sentir mal, alors que vous allez l'oublier, elle va encore ruminer dessus. Sachez s'excuser, même si vous n'avez rien fait, c'est un phénomène en fait qui lui permettra de se détendre et vraiment pouvoir compter sur vous. Ne cherchez surtout pas à avoir raison ni la dominer d'une manière intellectuelle ou physique. Votre posture, ce qu'on appelle la posture humble ou basse, va vous donner cet air puissant, un véritable homme. Donc voilà, soyez le vrai nounours à la maison et soyez le lion qui va chasser à l'extérieur de la maison. C'est là où vous pouvez dominer, prouver votre force, être le chef, le patron, celui qui a du charisme. Mais à la maison, ayez cette posture basse et humble. Rassurez votre femme le plus souvent possible. Si vous êtes en retard, prévenez-la, même si c'est de 5 minutes, elle va adorer. Quand vous parlez, oubliez votre téléphone, regardez-la vraiment dans les yeux, proposez-lui toujours de l'aide, que ce soit de mettre la table, débarrasser, cuisiner, faire les courses, et soutenez-la dans ces corvées parce que c'est pas vraiment facile et pour vous c'est facile parce que vous êtes quelqu'un beaucoup plus dans l'action que dans l'émotion. Lorsque vous quittez la maison, demandez qu'est-ce que vous pouvez apporter, à quoi vous pouvez penser à sa place et notez-le dans votre agenda, surtout pas oublier. Prévoyez aussi tout ce que vous allez faire si vous allez rentrer tard parfois ou si vous allez en déplacement, comme ça, elle sait vers quoi se projeter. Appelez-la dans la journée au moins une fois et envoyer des messages d'amour comme lorsque vous étiez amoureux, comme vous l'avez fait. Et dites souvent, souvent, je t'aime, vraiment très, très souvent, une fois par jour, deux fois par jour, on ne peut pas jamais faire trop. Une des tâches que vous pouvez faire, c'est faire le lit, changer les draps, parce que c'est vraiment très physique. Rangez votre linge évidemment dans la corbeille sale, vérifiez vos poches et occupez-vous aussi de tout ce qui est à faire à la maison. Sortez des poubelles parce qu'elle est sensible aux odeurs. Si vous partez en déplacement, gardez vraiment contact avec elle. Elle en a besoin de ce fil d'affection et d'amour. Prenez évidemment soin de sa voiture, faites des révisions et ayez votre voiture propre vraiment pour elle. Elle appréciera toujours. Lorsque vous êtes en société et si vous n'êtes pas d'accord avec votre femme, ne l'affirmez jamais. Prenez sa partie et c'est à la maison que vous pouvez après en parler. Elle va se sentir vraiment reine et sinon elle va se sentir trahie et ça, elle va jamais vous oublier ça. Proposez le plus souvent possible de lui faire un massage. Ça vous coûte pas beaucoup, mais pour elle, elle va vraiment l'apprécier. Pour tout ce qui est le reste, je vous propose d'observer votre femme et faire une liste, donc en ajoutant 3, 30, 40 choses à tout ce qu'on a vu. Et regardez un film Ruby Sparks. Je vais vous mettre en bas de la vidéo la liste de tout ce qu'on a dit et aussi de ces deux consignes à faire. Olga Soboleva, je vous aide à la fois à écrire votre livre ou mincir si vous avez besoin et je m'occupe des relations de couple. À bientôt!